Loveuse, bonjour Léa Loveuse, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon divorce avec certains peignes, avec certains accessoires. Voilà le type de peigne que j'utilisais avant de connaître YouTube pour mes cheveux. Voilà, j'en ai 2, 4, 6, 7, 8. 9, 10. J'ai divorcé avec tout ça. Tout simplement parce que j'agressais mes cheveux. Je les abîmais. Je les cassais. En plus, ils sont crépus. Ils sont durs. Donc, j'ai divorcé avec cette peigne. Voilà. J'ai appris ça sur YouTube et j'applique. Je divorce. Donc, ça fait depuis le mois d'avril que j'ai divorcé avec ça. Divorcé. J'utilise par contre les queues de ces peignes-là uniquement pour faire des tracés sur ma tête. Voilà. Mais les dents, c'est fini. Amani et zélé, je n'en veux plus. Divorce est consommé avec ce type de dents. Voilà. En revanche, ceux-là, je les fais passer sur mes cheveux après avoir passé d'abord au départ celui-là en premier, à grosses dents, celui-là en second, et après, je passe un troisième quand je peux plus de temps. Voilà. Si je sens que mes cheveux ne sont pas encore bien, 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 bien lisses comme je veux, j'appliquerai celui-là en dernier ressort. Mais vraiment, depuis le mois d'avril, je ne veux plus. Je me contente d'abord de cette trilogie-là. De cette trilogie-là. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté dans un magasin pakistanais. Ici, je pense, 4 euros. Voilà. Ici, en Occident. Celui-là, je l'ai acheté au marché de Libreville à 500 francs CFA. En moins d'un euro. Celui-là, pareil, 500 francs CFA, moins d'un euro. Au départ, quand j'avais acheté ces deux produits, c'était pour les cheveux de ma fille, parce que je voulais qu'elle fasse moins de défrisage, je voulais pas qu'elle ait mal à la tête. Je voulais qu'elle retrouve des cheveux avec une texture quand même assez forte, assez sensible, assez belle. Voilà. Parce que les défrisages à répétition n'avaient pas fait du bien à ses cheveux. Donc, elle voulait avoir des beaux cheveux, des gros cheveux crépus. Mais pour ça, il faut passer par ça. Et j'ai compris. Donc, au bout de 4 mois déjà, j'ai tenu. Je ne les utilise plus. Ces petits peignes à petites dents qui m'abîment les cheveux. Alors les filles, qu'est-ce qu'on trouve dans ma trousse à outils capillaires? Voilà. On trouve des petites barrettes comme celle-ci. Alors, je vais vous démontrer. Comme celle-ci. Voilà. 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 Elles me servent à attacher mes cheveux et à les mettre en sécurité lorsque je tresse avec des rajouts, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore appris? J'ai dû acheter des foulards. Voilà les filles. Des foulards en soie. Parce que c'est ce que j'ai trouvé. C'est plus cher, mais c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai dû acheter la même couleur parce que j'avais pas le choix. Voilà, les filles, j'en ai acheté. Voilà, dans un magasin pour pouvoir attacher mes cheveux quand je dors. Maintenant, mes cheveux, ils ne dorment plus à l'air libre. Ils sont toujours attachés sur un type de tissu qui permet de conserver l'hydratation, comme j'ai appris sur YouTube. Voilà les filles, mes petits accessoires. Et
par cette